J'ai les stats sous les yeux et il semblerait que la guilde Pro Game Master ait stoppé l'hémorragie. Il commence à engranger pas mal de points, aussi bien en JCE qu'en JCJ. Avec leurs ressources, c'était prévisible. Mais est-ce que leur rendement est meilleur que le nôtre ? Oh, pas vraiment. Amaras, Roxana, Declan et Batos sont les plus performants en instance. Mais la guilde Justice reste au-dessus de la concurrence. Je me demande comment ils font. Ah ça, je sais. Après notre altercation avec ce petit cachotier d'Istos, j'ai voulu en savoir plus. Et nos espions ont découvert qu'ils ont scindé le roster Rhin pour pouvoir couvrir un maximum de donjons éphémères. Le premier groupe s'appuie sur le DPS des marteaux légendaires d'Omégazelle. Et le deuxième, plus mobile, mise sur la polyvalence de fantômes. Monsieur est passé maître dans l'art de soloter les instances. Je comprends mieux pourquoi Istos était seul. Il rejoignait fantômes pour le healer. Ok, ça c'est pour le JCE. Mais en JCJ, c'est bien nous les premiers, pas vrai? Tout à fait, mais d'une courte tête. Le général Setter du Seto a fait du bon boulot. Ah, merci de le reconnaître. En revanche, on se fait rouler dessus pour tout ce qui concerne les quêtes annexes. Parce que ça aussi, ça entre en ligne de compte pour la compétition d'e-sport? Évidemment! Dois-je en déduire que tu n'as pas visionné mon magnifique mémo, qui a pour objectif de briefer toute la guilde Roxor, afin que nous avancions ensemble pour une osmose parfaite? Mon job, c'est de défoncer les joueurs des autres factions. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire et je le fais extrêmement bien. Alors pourquoi j'irais me polluer l'esprit avec ton tuto de premier de la classe? Parce que l'e-sport est un travail d'équipe. Si tu veux être nommé général un jour, il te faut prendre un peu de hauteur et arrêter de te comporter comme un vulgaire péon qui fonce tête baissée. Et puis tu t'abonnes et tu mets un pouce bleu. C'est bon, tu vas l'avoir, ta vie en plus. Mais tu n'as pas tout à fait tort pour le coup du général. Je vais faire un effort. Alors, elle est où ta vidéo? Voilà, trouvée. C'est parti pour ta leçon de faillot. Super. Salut les noobs, bienvenue sur le blog de Spectro. Avec cette vidéo, l'arrivée de l'e-sport sur Horizon 5.0 n'aura plus aucun secret pour vous. Premier point, il y aura un champion par an. Neuropa Entertainment s'inscrit clairement sur le long terme. Deuxième point, il ne s'agit pas d'une compétition individuelle. Seules les guildes peuvent décrocher le titre suprême. Il s'agit donc d'un travail d'équipe. Chaque action, aussi infime soit-elle, peut faire la différence. Que vous chassiez des familiers, que vous appreniez des métiers, que vous farmiez des items, des crédits, du stuff, que vous tombiez des world boss, toutes vos actions seront prises en compte par l'algorithme. Cette compétition d'e-sport sera alimentée par des stratégies de fond, mais également par des exploits ponctuels lors d'événements médiatisés tels que des batailles, des tournois ou des matchs de Fluxball. Et les donjons éphémères dans tout ça? Eh bien, ce sont des zones instanciées qui vont popper aléatoirement sur la map monde. Il faudra être réactif pour en retirer les bénéfices avant leur disparition. Je préfère vous avertir. Il sera impossible d'être sur tous les fronts en même temps. C'est pour cette raison que votre chef de guilde et ses précieux conseillers tels que moi vont jouer un rôle prépondérant, car seuls les plus grands stratèges d'Olidri sauront faire les choix qui s'imposent. Bref, en un mot commençant, cette compétition d'e-sport est un super classement qui regroupe toutes les activités de ce MMO. Le JCJ, le JCE, les quêtes annexes, le lore, les duels de cartes, le farming, les matchs de Fluxball, absolument tout va compter. Et... Ok, c'est bon, j'ai compris l'idée. En gros, moi je défonce tout ce qui bouge dans les épreuves JCJ, et le reste, c'est le problème de Gaïa. Comment ça, c'est mon problème? Bah, dans sa vidéo, il dit que c'est au chef de guilde de tout orchestrer pour remporter la compétition. Oui, j'ai aussi parlé de ses précieux conseillers. Et du coup, c'est quoi votre stratégie pour que la guilde Roxor remporte la compétition? La mise à jour 5.0 est bien trop récente pour qu'on ait les idées claires. Mais j'étudie toutes les options. Bon! Je sais pas vous, hein, mais moi, je suis crevé. Je vais poser l'avatar à l'auberge, là, je déco, dodo. Déjà? Mais quelle feignasse! Eh oh, depuis la sortie des donjons éphémères, on fait du 15 heures par jour, hein, 7 jours sur 7. C'est normal de rusher à la sortie d'une extension, mais d'un autre côté, la compétition des sports s'étend sur un an. Il va falloir trouver un rythme, parce que si on s'épuise trop, on tiendra pas sur la durée. Mouais,
Il est possible que l'hygiène de vie puisse avoir un impact sur les performances à long terme. Un argument recevable, d'autant qu'on n'a plus vraiment 20 ans. Hein. Parle pour toi. Hein. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. À demain. Dormez bien. Ouais, allez, à plus. Oh non. Oh, le timing pourri. Mais comment je fais, moi, maintenant qu'ils se sont tous barrés, là? En plus, c'est une instance qui peut se soloter. J'ai aucune excuse. Alors évidemment, demain, ce donjon éphémère aura disparu. Nos adversaires l'auront déjà farmé. Et si Saphir, elle apprend, j'ai préféré dormir que de sauter sur l'occasion. Ouais, non, elle me fera vivre un enfer. Allez, c'est parti pour les heures sup. T'étais pas censé aller dormir. Fantôme, t'es toujours en ligne? En fin de session, j'accorde toujours une demi-heure aux quêtes annexes pour équilibrer mes stats. Ouais. Bah de mon côté, il y a une faille dimensionnelle qui a pop juste en face de moi. Juste avant de déco. Je vois. Bouge pas, je vais mettre le stream de ton avatar pour suivre ta progression en direct. Alors, quel cataclysme je vais pouvoir déchaîner sur ce monde? Non, ça trop déjà fait. Ça j'aime bien, ça c'est cool. Ah, alors ça c'est cool. Je commence direct par le boss, hein. J'aurais pas à tourner 1000 ans en rond dans la zone instanciée. Ne sois pas trop confiant. La difficulté des donjons éphémères est tout aussi aléatoire que leur contenu. Si ça se trouve, tu vas en baver toute la nuit. Oh non, parle pas de malheur, s'il te plaît. Bon allez, mon requin 2 secondes. Et c'est parti. Allez, je vais sortir mon meilleur roleplay pour les viewers. Je vais le défoncer avec la manière et ensuite... Dodo. Tu as toute mon attention. Ah, j'avais pas besoin de plus pour être motivé. Et toi, tu veux détruire le monde? Eh bien laisse-moi te dire que c'est mort. Et tu sais pourquoi? Car tu viens de croiser la route du grand Mégazelle, l'ultime Apollon, détenteur des marteaux légendaires de Godril Borkan. Godril Borkan, tu dis? Alors comme ça, il existe aussi dans ce monde. Quoi? Fantôme? Mais avec... avec le stuff d'Arton Fargos? Jamais entendu parler. Dans mon monde, du moins, avant que le réduise en miettes, il n'y a jamais eu que fantôme de Fargos. Les développeurs, ils ont le droit de faire ça? À partir du moment où tu décroches un acte de bravoure, tu fais partie du Lord Olidri. Donc, techniquement, oui. Je suppose qu'ils ont le droit d'utiliser l'image de mon avatar pour leur réalité alternative. Et ça te dit pas d'affronter ton double? Si je te rejoins, il faudra rebooter l'instance pour la passer en mode de joueur. C'est pas opti. Il vaut mieux que tu restes sur ta lancée et que tu sois le premier à terminer ce donjon éphémère. Ouais, comme ça on aura le bonus. Allez, c'est parti. Bon, écoute-moi. Ce monde a déjà eu son héritier de Fargos. Il a rendu son jugement, on l'a vaincu, et il a accepté de nous foutre la paix. Donc toi, tu vas faire pareil, tu vas retourner d'où tu viens. Cet Arthéon dont tu parles n'est qu'un charlatan. Il existe une multitude de dimensions. Mais elles appartiennent toutes à l'œuvre de Fargos, qui, lui, est unique. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'un seul héritier. Et cet héritier, c'est moi! C'est donc moi, et moi seul, qui vais juger de l'avenir de ce monde. Chose que je vais faire de ce pas. La source de la création m'a demandé de rectifier ses erreurs. Il y en a plein, là partout. Là, il y a un trou, là c'est trop vert, là cette plante, elle me plaît pas. Oh, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir tout faire péter, repartir sur de bonnes bases. Mais... sérieux, là? T'as fait 3 pas, et tu rends ton jugement? Non, parce que tu vois, Arthéon, au moins lui, il a visité Arthuris, les 99 lunes... C'est pas la même, hein? Tu n'as rien à péter de tes 99 lunes. Tout ce que je retiens dans ton laïus, c'est que tu as redit Arthéon. Vas-tu donc suivre les bons leaders? À la rigueur, je veux bien croire qu'il y ait quelques sosies de Fargos, car je suis extrêmement populaire. Mais je t'ai dit que j'étais le seul! C'est moi! Alors je vais tout péter! Mais tu vas te calmer, oui! Non, mon jugement est irrévocable! Oh, mon épée!
épée, rends-la-moi! Sans elle, je ne peux pas détruire le monde! Je la veux! Non. Bah non. Non, là, c'est pas possible. En tant que fan numéro 1, je peux pas laisser cette pâle copie ridiculiser Phantom. Non, mais y a pas le choix, je vais le défoncer, hein. Quoi? Tu veux te battre à main nue contre moi, qui suis l'égal d'un dieu? Je t'avais prévenu. En le désarmant dès le début du combat, tu as sans doute mis en œuvre la meilleure strat pour le vaincre. À présent, je suppose que tu sais comment en finir. Oh que oui. Tu sais quoi? Puisque t'as l'air d'aimer les cataclysmes, je vais t'en offrir un beau. Oh, sans arme légendaire, j'aimerais bien voir ça. Je fais appel à la puissance des éthers. Soyez le bras armé de ma colère. Tu comptes me vaincre avec des rimes? C'est ridicule! Je suis un dieu! Je suis l'alpha! Le Omega! Ah non, l'oméga, c'est moi. Que le cataclysme se déchaîne! GG, tu vas pouvoir aller te coucher avec le sentiment du devoir accompli. Ouais! Eh ben, je suis pas mécontent d'avoir joué les prolongations. Et moi, j'ai trouvé intéressant de voir mon avatar avec le set complet de Phargos. Qui sait ce que je serais devenu si j'avais trouvé sur ce lame à voir Théon? Sûrement pas ce débile de World Boss, en tout cas. Bon. Allez, c'est fini. Déco, dodo... Tant pis pour l'auberge. Pareil, à demain. Petit bout de vidéo éphémère pour vous rappeler que notre campagne Ulule est en cours pour le guide officiel de Noob, qui renfermera pas mal de souvenirs. J'en ai vu un extrait là hier lors de la réunion, puisque c'est Gaïa et Mago qui s'en occupent. Mago qui a travaillé notamment pour les infographies de GastronoGeek ou de Reflet d'Acide, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Je peux vous en parler librement, puisque tout comme vous, je vais découvrir l'avancée de ce projet au fur et à mesure, grâce au travail de Gaïa et Mago. Et ben, j'ai redécouvert certains détails, certains éléments que j'avais totalement oubliés. Ce bouquin va être bourré de détails, il va faire près de 450 pages, on a débloqué tout ce qui était possible pour la couverture, pour la qualité du papier, pour vraiment la finition. Il y a certaines contreparties qui m'intéressent beaucoup, comme les fameuses pièces dorées en métal gravées à l'effigie du crédit, hein, la monnaie officielle du monde d'Olidri. Il y a tout un tas de choses qui sont débloquées, il y a le palier guest aussi avec le hardbook du 15e anniversaire qu'il est possible de réserver maintenant. Il y a aussi des paliers de rattrapage, comme le méga coffret collector à l'effigie du coffre de Gaïa qui va renfermer les 11 saisons de Noob, 16 années de bonus, enfin vraiment il sera gigantesque ce truc. Ça sera un tirage unique, hein, comme on a l'habitude de le faire, hein. Donc une fois qu'on aura terminé les réservations et qu'on lancera la fabrication, il ne sera plus jamais refait, donc là aussi hein, c'est un beau totem. Donc voilà, ce crowdfunding c'est le crowdfunding des souvenirs, avant d'attaquer l'Holy Driver c'est de se faire de nouveaux souvenirs, il est important de finir proprement, avec donc cette saison 11 qui va clôturer les saisons numérotées de Noob et cette manière assez linéaire de raconter des histoires transmédia. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que sur internet c'est assez difficile de se faire entendre, donc je n'hésite pas à vous rappeler que cette campagne existe et très humblement je vous invite à aller y jeter un œil en espérant que ça vous plaise, ou n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 et d'ici là, bah, restez connectés. Allez, bye bye.